Bonjour à tous, ici Petit Wiki de la Team A. Me voici pour ma seconde VOD et cette fois-ci, j'ai décidé de vous sélectionner un replay épique, hein, puisque ce ne sont pas que des cheese les VOD de Petit Wiki. On va assister aujourd'hui à une game épique entre Kenzie, le joueur donc de chez AA, le joueur Zerg, bien connu, contre Nyx, le joueur de la Team TMC. Le Protoss, et donc c'était une game durant une Craft Cup, il me semble, qu'on avait pu assister sur la Web TV que j'avais moi-même shootcasté en compagnie de Joe. Et donc vous l'aurez remarqué, on est sur Blistering Sands. Kenzie, qui est en haut à droite de votre écran, qui est en orange, alors que son adversaire Nyx, lui, est en rose. Il est en Protoss, il est en train de nous faire son premier pylône. On est sur une map qui est plutôt balance, même si les Zergs aiment bien jouer. En tout cas, les Terrans ne l'aiment pas, puisqu'ici, vous avez des rochers ici et là que vous pouvez casser. Et ce qui est très pratique côté Zerg pour effectuer des run-by avec une B2, une Natural qui se trouve ici, qui est relativement safe à défendre en tant que Zerg. Et ça, pour Kenzie, c'est plutôt bon signe. En attendant, la probe 2. Nyx qui part scouter la position, hop là, qui va voir que pour le moment il n'y a rien du côté de chez Kenzie. Kenzie qui pourrait très bien se permettre d'edge first. En tout cas, on va voir s'il décide de le faire ou pas. La première gate du côté de Nyx est en construction. Le péon de Kenzie part prendre les informations. On est à 13, 14 de pop, donc pool 14 de la part de Kenzie. On va voir sur quoi par le joueur Protoss, pas de double gate puisqu'on a pris son gaz. Et je vous le rappelle que quand on prend son gaz à 14 de population, vous ne partez donc pas sur un double gate et qu'il devrait poser un cybernetic core juste après. Attention à ce petit ouvrier qui est en train de titiller ce pylône, le pylône qui perd petit à petit du bouclier. Il va être chassé très certainement après. L'overlord qui est envoyé ici, hein, tout simplement pour pouvoir prendre les informations quand Nyx aura décidé d'expandre. Et en attendant, la spawning pool n'est toujours pas terminée du côté de chez Kenzie, mais ne devrait pas tarder. On va voir une hatch très tôt de la part de Kenzie, donc pool 14, hatch 16. C'est un build relativement safe sur cette map, car elle vous permet hein, tout simplement de créer du links derrière pour pouvoir protéger cette B2 qui est assez fast de la part de Kenzie. On va voir comment réagit Nyx face à ça. Pour le moment, il n'a pas encore pris l'information, le joueur Protoss, il est en train de poser son cybernetic core. On a le premier zilote qui va apparaître pour bloquer la choke ici, qui va être mis bien entendu en hold position. Et le deuxième gaz de Nyx qui est pris, on est à 22 de population, donc deuxième gaz qui est pris, ça laisse plusieurs openings possibles, donc un double gate avec une stargate derrière. Chose qui est beaucoup à la mode en ce moment, à base de Phoenix, hein, pour aller justement à la chasse aux Overlords et aller mettre la pression très tôt chez son adversaire, ou tout simplement à 3 gate robot habituel. On va voir ce que nous propose le joueur Protoss. En attendant, Kenzie, il est en train de finir son expand, il est en train de produire sa première queen, et il drone, et il drone, et il drone, et il drone au niveau de l'incom, au niveau de l'économie. Le joueur Zerg qui est un petit peu en retard, ce qui est normal vu qu'il a posé son expand, mais il va prendre l'avantage par rapport à son adversaire qui pour le moment est encore sur B1. Il a pris les informations. Est-ce qu'il a pris les informations? C'est ce qu'on va vérifier. Alors Nyx, pour le moment il n'a pas les informations, il ne sait pas qu'il y a de B2. Et attention, on se remet dans la vue de tout le monde, ce sera mieux. Attention à Nyx, à la réaction de Nyx une fois qu'il va voir cet expand. Pour le moment, il nous propose un complexe robotique qui va pouvoir aller chercher très vite un observeur. Il va pouvoir nous sortir soit du Colosse, soit de l'Immortal, ou pourquoi pas des deux. Kenzie, pour le moment, il est en train de sortir un Bata Roach, un Roach Warren, qu'il se dirige tout simplement vers un Roach Hydra. C'est ce qu'il laisse supposer, qui est un BO relativement classique contre les Protoss. En tout cas, il est toujours sur un gaz. On va avoir un T2 qui devrait se lancer bientôt pour Kenzie. Il est à 32 de population. Nyx, qui est à 33 de population, est en train de terminer son complexe robotique. La recherche des Warp Gate qui est quasiment terminée, qui n'est pas chronoboostée. On a une sentry pour pouvoir temporiser en cas de push de la part de Kenzie. Sauf que Kenzie, pour le moment, il ne push pas. Et une petite pression qu'a tenté de mettre Nyx qui ne marchera pas puisqu'on a quelques links en défense. Attention à cette sentry qui va être perdue du bêtement de la part de Nyx. C'est dommage. Hop là, une sentry, un zilote de gratté. Ça fait toujours plaisir puisque ça coûte relativement cher une sentry. Surtout niveau gaz en début de partie. Le sprint du mucus qui commence à s'effectuer du côté de chez Kenzie. Kenzie qui continue sur pas mal de routes. Il va poser son premier spine crawler pour pouvoir sécuriser
ça B2 tranquillement au niveau de l'income. On refait un petit tour. Ça y est, le joueur Zer qui commence à prendre l'avantage par rapport à son adversaire. Enix qui produit son premier immortal qui est chrono boosté. Deuxième immortal qui va être juste derrière. Qui est un bon contre hein, forcément au Roach puisque l'immortal, vous le savez. Ceux qui nous suivent sur la TV avec Joe. Et ben l'immortal, ça fait le café contre le Roach. Et les petits Gling qui vont commencer à grignoter tranquillement ces cailloux. Par contre, il y a déjà un Stalker en place de la part de Nyx. Donc il ne va pas pouvoir taper. Hop là, il perd bêtement un petit Zergling, la Kenzie. Et à ce stade de la partie, le joueur de Shara qui est plutôt pas mal dans la game. Le T2 qui est rendu à moitié pour Kenzie. Il est toujours sur un gaz, on va voir s'il prend son deuxième et troisième gaz qui nous confirmerait qu'il partirait donc sur du Roach Hydra. On a un prisme de transfert, ça c'est intéressant, on a un prisme de transfert de la part de Nyx. Alors un prisme de transfert, pourquoi un prisme de transfert? Tout simplement pour pouvoir passer plus simplement ici en règle générale, c'est ce qui se passe, c'est plutôt de casser les cailloux, les protos qui sont partis sur un complexe, peuvent sortir un prisme de transfert pour warp directement les unités ici. C'est un petit peu plus simple. Et attention Kenzie qui a l'Exen Naga qui a les informations que son adversaire part faire un push au niveau des unités. On est plutôt bien là du côté de chez Nyx. On n'a pas encore grand chose du côté de chez Kenzie. Mais Kenzie est sur une double hatch. Donc va pouvoir prod en conséquence. Et justement Nyx qui se dirige avec son prisme de transfert. Qui va poser directement ses deux immortals en haut de cette cliff. Il va prendre les autres, il va les disposer, ça évite de casser le caillou, ça gagne du temps, un overlord qui est gratté, ça va mettre Kenzie un petit peu dans la mouise au niveau de la reprod de population, c'est pour ça qu'il en lance un directement derrière, on a du Roach en préparation qui vont sortir, il y en a même 8 en préparation, ça c'est bien de la part de Kenzie qui a une bonne prod derrière, il est à 83 de population, 70 pour Nyx, il y a quand même pas mal de Roach, hein. Ça va être compliqué là pour Nyx de passer, en tout cas il tente un go, les Spinecrawlers qui sont pas tout à fait finis, il temporise un petit peu, le joueur de Shara va le prendre sur le côté, ou la bonne prise de fight de la part de Kenzie, les Force Field qui devraient être placés de la part de Nyx, est-ce que ça va suffire? Ah, il y a pas mal de population du côté de chez Kenzie, attention à bien sniper ses Immortals, il est en train de casser les cailloux Nyx pour avoir un double champ d'attaque. Et il temporise là le joueur a le temps de sortir un peu plus de population. Il y a les queens qui sont ramenés en renfort. Là faut qu'il prenne la fight avec justement ses spinecrawlers s'il veut pouvoir. S'il veut pouvoir tout simplement contrer facilement son adversaire sans perdre trop de population. On a des glings qui sont envoyés ici pour scouter pour voir un petit peu ce que fait son adversaire, par où il passe. Et il décide d'aller directement dans la B1, Nyx. Je sais pas si c'est la solution, en tout cas c'est ce qu'on va voir. Ouh, il y a beaucoup de roach. La part de Kenzie, le boost métabolique n'est pas tout à fait terminé. Les force field pour bloquer et splitter l'armée en deux. Et temporisé, ah, il n'y a pas assez du côté de chez Nyx, il décide de back chez lui tranquillement. Et là le joueur qui est bien là dans cette partie pour le moment, il est à 100 de population au niveau de l'income. Il a une meilleure income que son adversaire pendant ce temps là, il a posé B2 Nyx. Puisque vous le savez, ceux qui nous suivent régulièrement, on le dit assez souvent, quand vous allez pusher pour aller mettre la pression chez votre adversaire, vous en profitez pour poser une expand. Ça, c'est les bases hein, dans StarCraft 2, poser une expand quand on va pusher pour pouvoir la poser en toute sécurité. C'est ce qu'il faut faire. Et là, Kenzie, lui, il décide pendant ce temps-là de temporiser et d'aller casser les cailloux sur cette gold pour aller très certainement poser B3 et garder son avantage puisque son adversaire a expand et qu'il a les informations. Kenzie, grâce à cet overlord qu'il se trouve ici, il voit directement ce qui se passe. D'ailleurs, on a un observateur qui est ici et qui est en train de voir cette deuxième hatch qui est posée sur la B2 pour pouvoir une très bonne repos de la part de Kenzie. Kenzie qui va aller grignoter les cailloux, qui a le spigling, les petites sauterelles de terminer. Il y a beaucoup de roach de la part de Kenzie. Est-ce que ça va suffire du côté de chez Nyx pour repousser tout ça? Il n'y a que deux Zimo, il décide d'y aller. Attention aux force fields qui sont placés. Oh, les beaux force fields très bien placés qui split littéralement l'armée de Kenzie en deux. Ça, c'est bien joué les nouveaux force fields. Les Spiglings qui n'ont pas pu s'échapper. Au niveau des unités perdues, ouais, le joueur de chez AA qui a perdu plus d'unités que son adversaire. Ça, c'est très bien joué les beaux force fields placés de la part de Nyx. Qui ont permis de prendre gratuitement une bonne quinzaine de Spiglings. Et ça c'est très bien joué de la part du joueur Protoss. Nyx
Et Kenzie qui continue à casser ses cailloux, les cailloux qui sont cassés, qui sont tombés relativement vite, il décide de prendre la fight. Kenzie, ça c'est osé de sa part. Les force field une nouvelle fois placées. Attention, on a de moins en moins de force field du côté de Shenix. Ça warp un petit peu des deux côtés de la pente pour pouvoir prendre en deux. Kenzie s'attaque des deux côtés. L'armée de Kenzie qui commence à splitter. La fight qui est bien prise de la part de Kenzie. Le problème c'est que là tous ses roaches n'arrivent pas à attaquer. Il est sur de front. Le joueur là, il est en train de se faire des pop. Il y a beaucoup d'immortals qui font énormément de dégâts à Kenzie. À Kenzie qui a perdu pas mal de pop là dans cette fight. Il est repassé à 107 de population alors qu'il était à 130 avant ce début de push. Et attention à ces Spiglings qui pourraient peut-être tenter un run by pendant le push. Ça pourrait être dangereux. Attention à ce cafard qui va peut-être être donné. Les cafards qui décident d'aller dans la B1. Ouh, il n'y a pas de défense dans cette B1. La petite erreur de Nyx. Nyx qui passe directement par Satcho. Je sais pas si c'est la solution. Pendant ce temps-là, il est en train de tomber un complexe gratuitement. Là, c'est un très beau move de Kenzie qui a gratté un complexe robotique à Nyx sans que Nyx voit. Et on a un run by qui va s'effectuer justement dans cette B1. C'est une pression qui est en train de mettre Kenzie à son adversaire. Nyx qui est un petit peu dépassé là. Il va attaquer pendant ce temps-là, pendant ce run by. Il va décider d'aller attaquer directement par ses cailloux. Le problème, c'est qu'il y a déjà de la population qui a été mise de la part de Nyx. Les stalkers de Nyx se font dépoper. Il n'y a pas assez. Par contre, on a deux immortals. Ah, les immortals, ils font énormément de dégâts. Un immortal qui va être snipé. Ça, c'est bien joué de la part de Kenzie. Kenzie qui n'arrive pas à passer la pression. Qui est bien gérée quand même du côté de chez Nyx. Et il va directement aller dans cette B1. Il y a directement 4 immortals. Les immortals, ils font énormément de dégâts. Les force field placés pour gratter quelques roach gratuitement. Et il est partout. Il est partout, le Nyx. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez du côté de chez Nyx. Nyx qui ramène ses renforts. Là, c'est bon, ça va suffire. Kenzie qui est en train de perdre sa population. Attention à pas s'empaler, là. Kenzie. Et Kenzie qui a une bonne reproduction. Sa gold qui est déjà posée. Il va falloir qu'il commence à faire tourner sa gold là, Kenzie, parce qu'il perd sa pop et qu'il n'a pas énormément d'income. Ah, il est en retard, il a moins d'économie que son adversaire. Il va falloir vraiment rentabiliser cette gold. Attention aux spinecrawlers qui n'ont pas le temps de se poser pendant le go de Nyx. Est-ce que ça va suffire? Il y a des force field, les force field pour splitter l'armée de Kenzie. C'est très bien joué de la part de Nyx. Nyx qui va tomber gratuitement. C'est spinecrawlers, les spinecrawlers qui sont tombés. La queen qui va tomber. Ouh, la queen qui est donnée de la part de Kenzie. Ça, c'est pas très très bien joué. L'armée de Kenzie qui est légèrement splittée, mais ça ne suffit pas. Les force field qui sont placés pour splitter l'armée en deux. Une nouvelle fois, très bien joué de la part de Nyx. Il y a beaucoup d'immortals face à ses Roach. Ça c'est très très bien joué, les force field une nouvelle fois. Je le dis jamais assez, mais là les force field qui sont utilisés à merveille de la part de Nyx. Nyx qui va aller scouter cette gold, qui va tomber même cette gold très certainement en tout cas, puisqu'il n'y a pas de défense du côté de chez Kenzie et que les immortals font énormément de dégâts sur les bâtiments. Ah, et la gold qui tombe. Et toujours pas de run by. Il pourra run by là, Kenzie. Je sais pas s'il compte le faire. Il n'y a pas beaucoup de roach du côté de chez Kenzie. Kenzie qui est vraiment. Waouh, là il est un petit peu au fond, le joueur de chez AA. Il est à 112 de pop. Il n'arrive pas à décoller. Il a pris des mauvaises fights. Les immortels qui font vraiment la différence. Va falloir partir sur beaucoup de spigling hein, pour pouvoir contrer ces immortels. Parce que là, effectivement, face à du roach. Beaucoup de roach de la part de Kenzie. Je sais pas si, si Kenzie décide de partir sur un Hydralisk Dan, ce serait peut-être plutôt pas mal. Parce que là, ça fait. Sa composition à Kenzie est vraiment pas très bonne face à Nyx. En tout cas, Nyx il est plutôt bien. Il est sur B2. Il va peut-être poser B3. Ce serait pas mal pour conserver un avantage économique au niveau de l'income. Le joueur Zerg qui est légèrement devant par rapport à son adversaire, puisque son adversaire n'a plus de minerai sur sa B1, donc c'est pour ça que il va devoir poser B3 Nyx. Et attention à ces Gling qui mappent un petit peu partout, qui vont prendre un probe gratuitement, et qui vont peut-être tenter d'effectuer un run by. On est à 126 de population pour Nyx, 143 de population pour Kenzie. On a toujours du roach en préparation, il est en train d'essayer de reposer cette gold, parce que là, faut qu'il pose B3 le joueur Zerg. Et les Gling qui vont essayer de tenter un run by. Le problème c'est qu'ils tombent directement sur l'armada, la pop de Jésus, comme dirait ma cause de Nyx. Et ça risque d'être compliqué de pouvoir effectuer un run by. Par contre, il n'y a pas de photon cannon. Est-ce qu'on a une forge
du côté de Chenix. Non, on n'a pas de forge du côté de Chenix, c'est étrange, il n'a toujours pas été chercher des améliorations. Et attention à ce run by qui pourra s'effectuer dans cette B1. Le problème c'est que dans la B1 il n'y a plus de péons. C'est dans la B2 qu'il faut faire un road by, il va directement passer dans la B2, on va les suivre, c'est Spigling. Les Spigling qui vont se gratter gratuitement quelques probes, on a des Zilotes qui sont warpés en urgence de la part de Nyx. Ah ça c'est bien joué, de la part de Kenzie, Kenzie qui va gratter 2-3 probes gratuitement, qui va se faire dépoper. Ah, le run by qui n'aura pas été si rentable et efficace que ça, il est à 149 de population Kenzie, regardez cette masse de Roach, cette masse de Spigling. Face à quand même beaucoup beaucoup d'immortals au niveau des unités. On va vous mettre les unités au niveau des unités. Ouais, on est comme waouh, on a 11 immortals et 16 stalkers contre 36 roaches et 69 Spigling. 69, il devra rester sur ce chiffre. C'est un chiffre qui porte bonheur chez certains, paraît-il. En tout cas, je ne m'étalerai pas sur le sujet. On va revenir sur cette game. 162 de population contre 155. Attention à Nyx qui va peut-être tenter un go. L'armée de Kenzie qui est splittée en deux. Puisqu'ici, il va très certainement effectuer un run by. Un gros gros run by à base de beaucoup de Spigling. Les force fields qui sont placés ici pour temporiser l'armée de Kenzie pendant qu'il va essayer de tomber la B3. Et attention à tous ces Spigling qui vont dans cette B2. Et s'il perd cette B2, ça va être très compliqué pour Nyx. Là c'est bien joué, l'armée de Nyx qui va directement dans la B3. Je sais pas si c'est la solution. Elle aura peut-être dû back ses troupes parce que là le Nexus de Nyx est tombé. Il va perdre toutes ses probes. Ah, il n'a plus d'économie. Le joueur Protoss qui a tombé cette gold. Mais il a encore une B2 Kenzie. Et ça, ça peut faire la différence. On a des Hydra maintenant qui sont sortis. Attention, ramener toute sa population Kenzie pour pouvoir prendre cette fight. Parce que sinon, il va littéralement se faire dépoper. Et Kenzie qui va tomber cette B1 tranquillement. Regardez, c'est une hécatombe du côté proto. C'est une hécatombe, il n'y a plus grand chose. Et du coup, il le sait, Nyx. Il n'a que d'autre choix que d'envoyer toute sa pop pour faire tomber cette B1, tomber cette main. Tous les bâtiments de production de Kenzie sont mis en danger. L'Hydra Litskoden qui est tombé, les force fields qui sont placés. Attention aux Hydra qui ne peuvent pas taper. La très bonne prise de fight de la part de Nyx. Ah, Nyx qui essaye, qui va tomber justement cette main pendant que les force fields sont en train de faire un travail efficace. Et Kenzie qui a ramené ses Roach et ses Spigling pour pouvoir attaquer justement de tous les fronts. Nyx, il attaque sur les deux fronts. Le joueur Protoss qui est pris en sandwich là dans cette fight. Ça va être très compliqué pour le joueur Protoss. Mais les forces fixes qui sont placées une nouvelle fois pour temporiser. Et là, il le sait. Il le sait, Kenzie, qu'il a du mal à prendre cette fight. Qu'il va falloir déloger ce Protoss de chez lui. S'il veut pas perdre tous ses bâtiments de production. Et le Nexus qui a été placé en urgence ici par Nyx qui n'a plus rien, qui n'a plus de bâtiment. Pendant ce temps-là, il est en train de tomber, excusez-moi. Le Roach Warren, les Force Fields qui sont une nouvelle fois placés. Il n'arrive pas à taper décidément Kenzie, qu'il perd des unités là bêtement. Il a du mal à prendre cette fight, il est à 111 de population, 93 de population pour le joueur Protoss qui n'a plus que son armée, qui n'a plus rien d'autre que son armée. Il lui reste quand même 600 de minerais en stock. Hein. Regardez, il va pouvoir se refaire tranquillement une économie. Mais à part son armée, il n'a pas grand-chose. Là, faut pas qu'il la perde son armée. Mais attention à pas rester bloqué dans cette choke parce que là c'est pour être la chance de Kenzie. Kenzie qui va prendre gratuitement un immortal. Attention aux sentries qui sont focus. Il faut pas perdre les sentries pour pouvoir continuer à faire des force fields parce que là ça peut être sa chance de splitter l'armée de Kenzie en deux. Et la reprod de Kenzie qui peut s'effectuer, qui peut continuer à faire du spigling. Il ne peut faire plus que du spigling puisqu'il lui reste plus que sa spawning pool justement aux joueurs Zerg français de chez AAA et il est en train de poser du Spinecrawler pour se défendre. Mais ça risque quand même d'être compliqué pour Nyx. Hein. Nyx, il n'a plus rien, qu'il lui reste 3-4 probes et son petit Nexus qui n'a plus de bâtiment de production. Alors que Kenzie, bah, lui, il a encore sa spawning pool, il a encore ses deux hatches qu'il peut reprendre un petit peu plus que son adversaire. Le souci, c'est qu'il n'a pas énormément d'économie, le joueur Zerg. Regardez, au niveau de l'income, c'est une hécatombe. On est à 400 d'income à bout de 25 minutes de jeu. C'est très faible. Et 0 d'income pour le joueur Protoss qui essaye de pomper un petit peu sur cette gold. Essaie de se refaire tranquillement. Kenzie qui va scouter un petit peu, qui se dit, mais what the fuck, il est où mon adversaire? Il a du spigling ici. Et maintenant qu'il a scouté un petit peu toutes les bases, il sait que son adversaire est sur cette gold. Et qu'il va devoir faire quelque chose. On a un deuxième Nexus qui est posé de la part de Nyx. Hop là, ça a été scouté maintenant avec le Roach qui est ici. Il n'a plus grand chose. Et attention aux force fields qui ont été placés ici. Ouh, le bad move de Kenzie qui a essayé de sortir de chez lui. Et ça, c'est très intelligent de Nyx d'essayer de contenir un maximum Kenzie chez lui avec ses force fields. Le temps qu'il arrive à poser son Nexus, qu'il arrive à refaire une économie stable.
Le problème, c'est que Kenzie, il a de l'armée un petit peu partout. Et là, il décide d'y aller. Une nouvelle fois, les force fields qui ont été placés de la part d'Onyx. Onyx qui place à la perfection ses force fields. Le problème, c'est qu'on a du rôle champ renfort de la part de Kenzie qui est arrivé sur le côté. Faut focus les immortals. Le problème, c'est qu'il y a énormément d'immortals. Il y a beaucoup de roach. Ça suffit pas de la part de Kenzie. Il n'y a pas assez de speedling. Il va falloir qu'il ressorte très vite de speedling. D'ailleurs, ce qu'il est en train de faire là, le joueur de GA. Il ne peut pas prendre la fight. Il n'a pas assez. Est-ce qu'il va partir en all-in? Oh mon dieu, il est en train de sortir tous ses péons. Oui, c'est un all-in qui est en train de faire Kenzie. C'est la chance, c'est sa dernière chance. Les forces fields ont été placées un petit peu tôt. Un petit peu trop tôt. Le problème, c'est qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de force field de la part de Nyx qui peut temporiser pendant ce temps-là. Et regardez Kenzie qui est un petit peu au fond, qui ne sait plus trop quoi faire, qui n'a que d'autres solutions que d'envoyer tous ses péons dans la fight. Et 52 de population, est-ce que ça va suffire? Les force fields qui sont placés, Kenzie qui essaye de focus tant bien que mal. Les immortals qui commencent à tomber, il n'y a plus grand chose de la part de Nyx. Nyx qui est en train de tout perdre. Kenzie qui ne fait pas attaquer toute sa population. Faut qu'il prenne mieux la fight que ça, le joueur de chat, s'il veut s'en sortir. Il est en train de tout perdre, Nyx. Oh, il n'y a plus grand chose de la part des deux joueurs. C'est très très tendu, il est à 20 de population, Nyx. Il y a les drones qui attaquent, ils font énormément de dégâts. C'est assez amazing ça. Et Kenzie, il lui reste plus grand chose, il lui reste 4, 5 hydralisques et un roach contre eux, un immortal, un stalker et une seule sentinelle. Il n'a plus d'économie, il n'a plus que 200 de minerais, le joueur Protoss. Et là, ça sent plutôt bon pour le joueur de Shea, puisque les hydras font un sacré DPS sur les immortals. Et là, c'est vraiment du trade base auquel on est en train d'assister. Un trade base assez méchant, une game assez épique. Et l'immortal qui va peut-être tomber. Attention à l'immortal. Ouh, les drones qui vont finir l'immortal. C'est les drones qui vont taper l'immortal. Les drones, attention. Et hop là, l'immortal qui tombe. Et là, c'est terminé. C'en est terminé de Nyx. Nyx qui va pas pouvoir se relever, qui n'a plus assez, qui n'a plus assez d'économie. Et Gozu Drone est en train de dire Kenzie. Et le GG qui est lâché par Nyx. Qui ne peut plus se refaire, alors que Kenzie il ne peut plus se refaire non plus. Il ne le sait pas, Nyx, mais Kenzie n'a plus rien. Mais au niveau des unités, mais Kenzie qui a un mix un petit peu plus gagnant. Il lui reste quand même 4 hydralisques contre un seul stalker et une seule sentry. Et il ne peut plus rien faire, le joueur de chez TMC. Et Kenzie, donc, qui remporte cette game qui se finit au trade base. Et comme quoi, contrairement à toute attente, et ce qu'on peut dire, ce qu'on peut voir, le Zerg peut faire des trade base et peut gagner des trade base, même si c'est assez compliqué de gagner un trade base quand vous êtes Zerg. Comme quoi, tout est possible. En tout cas, j'espère que cette VOD vous aura fait plaisir. Ça change de la première VOD qui dure 5 minutes, je vous l'accorde, celle-ci est un petit peu plus longue. C'était Petit Wiki au micro. Je vous retrouve donc sur la Web TV à très très bientôt. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres VOD des casters de la team, à Ikana, Tolki, Makoz, Enko. Je vous fais plein de bisous, je vous dis